tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 31 décembre, donc c'est bientôt la nouvelle année. C'est le dernier jour de cette année 2018. Donc du coup là il est 8h presque 50 je crois. Je suis réveillée depuis 8h30 du coup, comme je vous avais dit hier que j'allais mettre un réveil à 8h30. Ça fait du bien de dormir. Par contre du coup je suis encore plus éclatée, c'est trop bizarre. Mais voilà, ça fait du bien de dormir un petit peu quand même. Et donc du coup, voilà, je vous emmène dans cette journée. Là, je suis juste en train de prendre mon petit déjeuner. L'autre jour, là, hier, j'ai acheté ça. Voilà, qui coûte la peau du cul d'ailleurs. Et c'est un yaourt en fait à la fraise avec... vous avez 2-3 fruits et demi et puis des espèces de gâteaux. Et c'est très bon. Et donc je mange ça là. Et puis avec un petit peu de jus d'orange. Allez, Valou, je vous emmène avec moi. On vient de rentrer de notre journée et voilà l'état de mon pantalon, tellement il pleut à torrent. En vrai, tu t'es pissé dessus plutôt. Voilà, ouais, je me suis fait pipi dessus, mais juste sur les cuisses, tu vois, pas au niveau de l'entrejambe, c'est pas bizarre. Non, mais sérieusement, quoi, trempé. Mmh. Et mon chéri, il a juste. Parce que lui, son pantalon est plus. Son manteau est plus long, bah ça a coulé juste sur les cuisses, surtout. Enfin, au niveau des genoux, surtout. C'est trop bizarre. Enfin, bref, voilà. Du coup, on vient de rentrer, il est quoi? Il est 18h30.
Il est 18h30, on vient de rentrer. C'était une journée fort sympathique. Donc nous sommes allés au musée, à chaque fois, j'ai oublié le nom. American History, bidule truc. J'ai oublié le nom encore, que je dise pas de bêtises. Le American Museum of Natural History. Et c'était super sympa, vraiment. C'était, on se croirait en plus à la New Musée là-dedans. De toute façon, je vous ai mis les images, mais comme vous avez vu, on a vu Gom Gom là dans la New Musée. Et puis voilà, c'était assez sympa. Et c'est immense et il y a vraiment énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon, il y a plein d'animaux déjà. Alors, je ne sais pas, je suppose que ce sont des animaux empaillés, je sais pas trop. Si c'est des reproductions ou s'il y a des deux, etc. Ça, je sais pas trop. Mais bon, voilà quoi. Il y a vraiment de tout, tous les animaux. Il y a aussi donc des dinosaures. Je crois que je vous ai filmé un petit peu. Je vous ai vraiment pas beaucoup filmé. On est resté, je crois. On est resté quoi, 3 heures 4 heures 3 heures, un truc comme ça. Et voilà, c'était vraiment long. On a mangé aussi entre temps, et d'ailleurs, c'est bien fait entubé. Bon, après, voilà, on voulait pas ressortir du musée pour manger, on avait super, super, super faim. Ça coûte la peau du cul pour vraiment des choses pas très, très bonnes. $60 pour vraiment des trucs pas ouf du tout. Moi, en plus, j'étais dégoûtée parce que en fait, j'avais pris des petites carottes coupées en lamelles avec une sauce, etc. Et puis à côté, il y avait un truc vert et je n'ai pas lu. Et j'étais persuadée que c'était des concombres. Enfin, pour moi, c'était logique que ce soit des concombres et pas autre chose. Et une fois qu'on avait passé le truc, qu'on s'est installé, etc., je dis, mais j'ouvre la boîte, je dis, mais c'est pas du concombre ça. Et en fait, c'était. C'était du céleri. Et le céleri, j'aime ça que cuit. Donc, c'est-à-dire que c'était très très moyen pour ça. Donc, ça, j'ai pas pu le manger. Puis après, j'avais pris un wrap au poulet, etc. C'était pas mauvais, mais c'était hyper bourratif et c'était loin d'être excellent, quoi. Alors, en fait, le seul truc qui était bon, c'était le paquet de chips que j'avais pris, donc de Doritos. Et. Ah oui, d'ailleurs, le thé, faudrait que je le boive, parce que j'ai un petit peu soif. Et du thé qui s'appelle. C'est le tout typique d'ici. Y a pas mal de youtubeuses qui prennent ça quand elles viennent ici. Tu l'as mis où le thé, où tu l'as laissé dans le sac. Bref, c'est un thé, je crois que ça s'appelle le pur tea ou un truc comme ça. Il est très très bon, ça a vraiment le même goût que le Mai Tea. Donc voilà, il y avait ça qui était bon. Et puis, en dessert, on avait pris une banane tous les deux, donc ça, c'était bon, c'était une valeur sûre. Et il a pris. Des frites, apparemment c'était dégueulasse, j'ai pas goûté. Il avait pris un petit hamburger, apparemment c'était dégueulasse aussi. Et en fait c'est trop bizarre parce qu'on pensait que c'était du bacon et en fait c'était que du gras en fait. L'espèce de bacon qu'il y avait par-dessus là. C'était du gras, non? Oh, c'était de la merde. D'accord, t'énerve pas, bébou. Et il avait pris. Et t'as pris quoi avec ça? Une espèce de viande un peu caramélisée. Ouais, de la viande un peu caramélisée qui c'était quasiment que du gras. Et des espèces de nouilles au fromage ou je sais pas quoi, mais qui avaient l'air tellement trop cuites. Je sais même pas pourquoi t'as pris ça, ça avait l'air vraiment dégueulasse. Et donc, donc voilà, on était un peu déçus pour ça, mais bon, c'est pas grave. On a passé un super moment, en tout cas dans le musée. C'était vraiment sympa, vraiment beau. C'est vraiment gigantesque. Donc voilà, pour les personnes qui n'aiment pas les musées, genre comme mon chéri surtout, qui ne surkiffe pas les musées, n'est-ce pas, Bébou? Non. Ouais, c'est ça. T'aimes pas trop les musées? Mais bon, il y avait quand même des trucs sympathiques, mais ça dure très très longtemps. Et pour les personnes qui ont des enfants, je ne conseille pas trop, en tout cas, d'aller dans certaines parties qui vont peut-être pas trop intéresser. Je pense que c'est sympa d'aller voir les animaux, etc. Mais même ça, c'est super long. Puis après, il y a énormément de choses d'avant, enfin, qu'on a pu retrouver, etc. Donc d'Égypte, l'Asie aussi, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a vraiment de tous les pays, les continents, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et j'arrête pas de dire etc, c'est un peu chiant, non? Un bébé. T'as pu dire non, ça va. Et puis après, sinon, on est allé voir la Trump Tower, qui est vraiment très très grande. Et qu'est-ce qu'on est on est allé... Tu te trompes pas! Bref, après on a fait un peu de shopping, etc. Puis on s'est baladé et on est trempé. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, encore une fois, parce qu'il pleuvait à torrent. Et tout à l'heure, on va au Rockefeller Center parce qu'on a pris donc des places pour y aller. Au dernier moment, t'as regardé, Bébou, si c'était bien 8h55 ou pas? Donc normalement, vers 20h55, je crois. Enfin, on n'est pas sûr, on va revérifier. On y va, enfin, on doit être là-bas pour monter. Parce que c'est la dernière montée, c'est à cette heure-là. Si je ne me trompe pas une fois de plus. Et puis, on va manger aussi avant. Et puis, après, on va aller direction Times Square pour aller voir le feu d'artifice. Et ça risque d'être vraiment... super sympa, même s'il pleut et que ça, c'est vraiment chiant. Bon, après, c'est plutôt cool, parce que normalement, les 3 prochains jours, il va faire beau, donc on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Donc, voilà.
Bon, on voulait aller manger dans un restaurant qui est collé à la maison, là où on a mangé hier, je crois que c'était hier, et c'était super bon et tout, mais il n'y a pas de place. Du coup, on s'est fait tout beau et tout, pour rien. Tout est plein. On est vraiment bête. On aurait dû vraiment y aller beaucoup plus tôt, ou alors réserver, enfin, si jamais c'était possible de réserver. Mais bon, on est grave dégoûtés. Et du coup, on n'est pas allé au Top of the Rock ce soir, et on ira un autre jour dans ce cas-là. Avec le temps qu'il fait et tout, là c'est vraiment c'est une galère. On se dit qu'on va pas voir un truc de ouf. Donc après, on réfléchit à si on va ou pas aller voir le Top of the Rock plus l'Empire State Building, puisque voilà, pour les deux, on a une belle vue. Donc on verra, peut-être qu'on fera que ça. Bon, en direct de sous la pluie de torrentielle de la folie qui tue à New York. Nous allons à Times Square pour aller voir le feu d'artifice. Qu'on va même pas voir parce qu'il pleut et qu'on voit pas à 2 mètres en avant. Et il pleut à torrent, je le mets comme ça pour un petit peu protéger mon téléphone. Non mais c'est sûr qu'on va rien voir. La pluie, arrête de nous porter la poisse. Mais attends, regarde, on va même pas aller au détour. Qu'est-ce que tu veux voir un feu d'artifice pleut. Qui va être à des mètres et des kilomètres. Arrête. Bref, il pleut à torrent, on n'a pas eu notre petit restaurant. Bon, du coup, on a mangé un... On a commandé Uber Eats pour... Bah, en même temps, on a regardé Black on Mirror. On est trempé. Ouais. Ça fait 2 minutes. On va être de nouveau trempé jusqu'à l'os, les petits gars. Donc, du coup, je vous emmène avec nous. J'espère que ça va être sympathique quand même sous cette pluie torrentielle. Je vous fais des bisous. Mes chaussures. À plus.